Bouh, c'est Miss Nemo, on se retrouve dans l'épisode 12 de Deus Ex. C'était un chouïa la panique. Oh merde, c'est vrai, oui, j'avais oublié, il y avait la tourelle. Bon, bah voilà. Il faut que j'aille là-bas. Et en fait, j'étais très très bien placée. Donc on va courir, on va courir, on va courir, on va courir, on va courir. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, c'est pour désactiver la tourelle, ça ou pas? Allez, on tente. Je sais plus ce qu'on devait faire. On devait. Ouh, ça va être chaud, ça. Non, ça va le faire, je pense. C'est bon. Accès autorisé. Voilà. Désactivé. Voilà. On devait. Qu'est-ce qu'on devait faire? Je sais plus. À chaque fois, j'ai l'habitude d'appuyer sur J pour quête, mais c'est pas ça. Mercenaires fassent partie. Ah oui, c'est vrai, on avait vu des méchants pas beaux et on devait les choper. C'était ceux qui nous avaient agressés dans le labo. Il y a une carte là, électronique, je peux vendre? Ah si. Il y a un conduit là-dedans, c'est ça? Ah non. Derrière, je pensais. Ok, j'aurais pu me réfugier là en fait. Là, il y avait pas mal de munitions, pas mal de trucs. Bon, en fait, c'est des munitions que j'utilise pas, mais. Pour fusil d'assaut, non. Je soulève, on sait jamais. J'en profite maintenant qu'il n'y ait personne. J'ai plein de trucs électroniques maintenant, mais je sais pas à quoi ça me sert. Non, là, j'ai déjà fouillé. Je sais pas si j'ai vraiment désactivé. Ah, oh, ça je prends. Si j'ai désactivé la tourelle ou pas. Ah, alors, note de l'opération Rex 84. Référence à l'opération Garden Plot. Je sais pas c'est quoi comme lettre. Je crois que c'est un T, mais c'est bizarre. Ouais, c'est un T. Pièce afférente aux résultats opérationnels pour la poursuite du plan d'exercice gouvernemental Rex 84. Alpha, sous-section du plan des troubles publics 55. Ok, opération Garden Plot du ministère de la Défense concernant l'élimination et l'arrestation ou la détention massive de civils durant une situation de crise nationale. Fonction mettre fin à l'insurrection quand le rassemblement illégaux ou une révolte contre l'autorité des États-Unis ne permettent pas l'application de la loi dans un des États ou territoires suivant la procédure judiciaire. Normal. Force mobilisée, police locale et police d'État, armée et en appui, garde nationale aérienne sous le contrôle de l'État, autorité fédérale et maintien de l'ordre, force militaire fédérale pour renforcer l'armée et en appui, la garde nationale aérienne, la force à prévoir dans la zone des 3 à 1, 5 à 1, 12 000 maximum, comme précisé dans le décret. C'est pas nous ça. Si? Non, c'est pas nous ça. Ok, ils prévoient du lourd, mais je sais pas trop pourquoi. Aïe. Je me prends la main dans un stylo. Ouh, mais il y avait un conduit, là. Est-ce que... Non, tu veux pas tomber? Si. Ah si, c'était vraiment... Je pouvais vraiment passer par là par un des conduits. Bah alors, je sais pas, j'ai fait le tour et j'ai pas vu. Ok, génial. Ah là là, le jeu qui arrête pas de dire... Voulez-vous lancer le jeu en je sais pas combien? Du coup, je sais plus où je suis. Ok. Oh, j'aime pas. Ah, d'accord, c'est ici que je devais aller. Mais du coup, il y a une autre salle là-bas que j'aurais bien aimé regarder. Oh, mais zut! Pourquoi il me fait des touches bizarres, là? Arrête de m'embêter. En train de péter un câble, le jeu.
Mon problème, c'est que... Hop. Bon, je lirai plus tard parce que bon. J'ai plus de munitions paralysantes, moi, en fait. Et tu me donnes que des trucs de fusil d'assaut et j'aime pas trop ça, en fait. Ok, là, on est revenu. Du coup, est-ce que la tourelle, elle m'attaque toujours? Je sais plus de quel côté elle est. Elle est là. Hein. Bon, je crois qu'elle est méchante encore. Hein. Soixante-dix-neuf, quatre-vingt-quatre. Ah, d'accord. Je croyais que c'était une salle où il y avait des munitions du coup, mais non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il m'a vu? Jensen, la fréquence que nous surveillons vient d'émettre. Je crois que ces types sont en train de décrocher. Ouais, j'ai la même impression. Vous pouvez savoir d'où est venu l'ordre? Ils utilisent une sorte de code. Mais d'après ce que je comprends, le chef doit être encore un niveau au-dessous de vous. Bien joué, Pritchard. Je me charge de lui. Un niveau en dessous? Mais je suis en train de monter. C'est-à-dire que... Voilà. Il y a des gens là. T'es mort toi, non? Ah ok, non, là je suis au-dessus. Ah oui, donc en fait, non, c'est pas du tout par là. Du coup, il faut que je descende, mais est-ce que je pouvais encore plus descendre? Non, je crois pas, hein. Faut que je passe par où? Parce que là, c'est pour monter. Ah, mais non, d'accord, forcément, il faut que je passe à travers les caméras. Bah oui, c'est évident. Alors, je sais pas trop comment je vais faire pour passer la caméra là, mais... C'est dommage qu'il n'y ait pas de... Alors peut-être que je les ai pas maintenant, mais... De trucs pour justement désactiver les caméras. Enfin, vous savez, un truc genre qu'on lance et tout. Alors, Neural Hub. Oh, je m'ai mis de A. Alors, tu vas me désactiver tout ça. Ok. Et t'as pas des fléchettes tranquillisantes parce que là je suis vraiment en dèche en fait, j'en ai vraiment plus. C'est par là? Non, c'est pas par là. Non, ça c'est une pièce, je sais pas trop quoi. Ça va, on dirait, il n'y a personne. J'ai toujours pas retrouvé. J'ai pas. Ah non, si, il y a des gens en fait. Il y a totalement des gens. J'ai pas. C'est quoi? Po Cyber Boost Pro Énergie? C'est quoi? Je le prends pas dans le doute, mais je sais absolument pas ce que c'est, à quoi ça sert. Oui, la touche qui me permettait de détecter les gens. Je suis sûre qu'il y avait un truc, mais... C'est moi que j'avais un truc pour détecter. Je suis peut-être la folle un peu. Je suis vraiment pas obligée de passer par là, mais... Oh non, 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 si, je suis obligée de passer par là. Là, il va y avoir des munitions, là, c'est obligé. Non, mais pas des munitions comme ça. Non plus. Parce que non, j'ai de quoi les mettre. Roquette. Ah, j'ai même pas de quoi les mettre. Pistolet mitrailleur, électrochoc. Ah, mais c'est pour ça, si ça se trouve, j'en ai vu, mais je pouvais pas.
Virus arrêté, virus automatisé. Oh, ça m'embête. C'est quoi ça? C'est pistolet mitrailleur. Bon, du coup, je vais jeter ça. Pour fusil de précision. Donc non, c'est pas ça, mais si jamais j'en trouve... C'est quoi ça? Non, je peux pas prendre. Fusil de précision. Moi, c'est quoi? C'est pas ça? C'est pas fusil de précision? Non, c'est bien ça. Fusil tranquillisant. Que je ne confonde pas. J'arrive pas à voir s'il y a des trucs, en fait, quand je suis accroupie. Et je sens qu'ils peuvent tellement me voir. Ça va être tellement horrible. Non, ça va. Mais y a rien dans leur casier, mais c'est pas possible. Comment je fais, moi, pour trouver mes munitions? Oh là 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 là, c'est quoi ça? Je peux pas interagir avec? Non. Oh non, mais non, mais non. Dans les toilettes, mais il n'y a jamais rien. Non. Attends, je passe par où là en fait? C'est totalement inutile, non? Ici. Un petit peu, ouais. Alors pourquoi ils ont mis ça là? C'est peut-être pour après, pour s'enfuir, je sais pas. Parce que là, t'as un truc qui déclenche l'alarme. Ah non, mais peut-être que je pouvais passer par là et éviter tous les autres en fait. Mince! Ils sont où? Ah, mais je croyais que c'était des scientifiques, mais en fait, non, pas du tout. J'aimerais bien qu'ils viennent, en fait, comme ça. Vas-y, fouille la zone, vas-y, vas-y. Oh, si tu sors, mon gars, je te chope. Non, il veut pas sortir. C'est dommage qu'on puisse pas se battre à main nue. Vous voyez, je suis obligée d'avoir mon arme, même si j'ai pas de munitions. Je peux que les assommer si genre je suis vraiment derrière. Sinon, je peux pas. Je peux pas juste les tabasser, quoi. Alors, c'est peut-être un peu violent, mais c'est non létal. Non, bon, ils ont pas l'air de bouger, je vais repasser par par je sais pas où. Voilà. C'est quoi ça? Je peux interagir avec? Non, pas du tout. Non, bon, bah ici ça servait pas à grand chose, peut-être à part juste des munitions si on est un peu en mode bourrin. Mais sinon ça servait à rien. Non, pas ici, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Je suis aux aguets, hein. Je regarde vraiment si... C'est quoi ça? Hypostime. Je sais pas ce que c'est. Je peux pas faire... Ah oui, c'est comme ça. Examiner... votre santé 50 points et pour un maximum de 200 points, situation utilisée à l'inventaire, description. Ok, bon écoutez, je garde ça en attendant, mais j'aimerais vraiment beaucoup prendre les munitions là. Oh. Parce que j'ai plein d'argent, mais j'ai pas les munitions. J'ai rien pour acheter. Je passe comme ça, l'air de rien, mais bon. J'aime tellement pas cet endroit, ils sont en train de faire des tests trop bizarres, je le sens.
Je peux pas savoir là. Bon, bah allons-y, hein. Oh, mais j'espère vraiment qu'ils vont me redonner des munitions. Oh là là, je vais sauvegarder avant. Je vais sauvegarder. Est-ce que sinon, je vais être tellement mal. Bon, là, je me mets pas debout vu qu'on voit rien. Je reste bien cachée. Là, je peux même pas cacher dans la... Ouh, j'aime pas ça. Oh, mais je suis où, là? Oh, un long couloir absolument pas piégé. Oh non, ça, c'est une arène. Oh non, je savais qu'il y avait un boss. Oh, faut absolument que je trouve des munitions. Mais je vois rien du tout. Ah, je vois un petit peu mieux, là. Merci. Me dis pas qu'il y en a un qui va parler dans le micro, genre « Jensen, je vous attendais. » Parce que c'est faux. Oh, mais c'est des méca-robots, ça! Non, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Oh non, mais toi, tu vas te réveiller, toi, c'est ça? Oh non, non, non. Oh non, non, ça sent tellement le long couloir de la mort. Vous bougez pas, hein. Je suis discret, hein. Bon, je fais un peu de bruit parce que je suis un peu lourd, mais... je suis discret, hein. Ah, mais j'étais même pas obligée de sauter, en fait. Il les passe tout seul. Je l'ai pas complètement con. Oh là 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 là... J'aime pas ces bruits. Ok, donc je suis obligée de passer par là. Donc je vais fouiller la salle qui est là-bas. Ok, c'est pas du tout rassurant, sachant qu'il y a plein d'endroits où je peux me cacher en fait. Et tu veux pas téléphoner à machin, là, à Sarif et tout, en leur disant, bah, si je meurs, ils ont plein de robots, plein de trucs pas cool, enfin... Je sais pas, les informer. Je peux rien prendre, là. Y'a rien du tout. Non. On sait juste de la déco. Au moins, ça me rassure, c'est que si là ils m'ont pas attaqué, si je passe là-dedans, ils pourront pas passer. Mais bon. Est-ce que je vais pas avoir pire du coup? Ah, j'aime tellement pas ça. En plus, ils me donnent pas de munitions, ils me donnent rien. J'ai que mon lance-roquette. J'aurais peut-être pas dû prendre... Non, si, j'ai un petit fusil, c'est vrai. J'ai un petit fusil. Oh non, mais ça sent tellement... Non, je veux pas y aller. Je veux pas y aller. Évidemment, il était derrière moi. Comment t'as pu être derrière moi, du coup? Il y avait personne derrière. Regardez qui voilà. Ils nous ont envoyé un boy scout. Ça doit être le type qui a bousillé mon opération à la morgue. Élimine-le, Barrett. Mais avec grand plaisir. Eh, moi j'ai pas ça, hein. Oulalala. Alors attends. Tout d'abord... Je vais... c'est quoi? C'est 3 et 4. Ah!
Ok, je crois que je me suis tué. Il doit y avoir une strat, je pense. Ah bah c'est génial, on reprend tout de suite la cinématique. Allons-y. Ah, je peux passer? Oui. Non, là c'est 4 alors. Non mais c'est 3. Ah merde, 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 merde. On va tourner autour du poteau. Je crois que j'ai compris, j'ai essayé, je sais pas si vous avez tiqué, il y a des espèces de bonbonnes derrière. Et je crois qu'il faut que je l'attire par là en fait. Mais c'est pas sûr. Attendez, je vais direct me mettre. Voilà. Ah, il y a des bonbonnes là. Ok, ok. Et là, 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 là. J'aime pas trop ça, généralement c'est pas mon truc.
fait des dégâts à lui, quoi. Mais je vois pas où il est. Putain, il est tout là-bas, quoi. Ouais, comment je fais pour tirer les... Ah non, c'est ce que j'ai jeté. Oh là là là. Il est où? Ok, il m'a pas repéré. Oula, oui. Pour jeter ça là. Oui, c'est ça. Voilà. Allez, viens, tu veux pas. Non, mais sérieusement. Jensen. T'es le pire gars, super des petits cobodes. Gars, il y avait plein de capteurs à la con et il s'est pas visé. Allez, c'est pas grave, on va refaire la même. C'est juste là. Mais genre, il m'a one shot avec sa grenade. Mais non, mais c'était trop bien. Mon dieu. J'ai pas des points à améliorer. Eh non, j'ai plus rien. Bon bah tant pis. Oui, mais mets-le là. J'ai mis quoi? J'ai mis 8. Ouais, c'est ça, je suis bien 8. Hein. Ah oui, non, mais mince, mais... Ah, mais j'ai plus du tout de munitions. Zut, t'as pas des munitions là-dedans? Attends. Et du coup, c'est 3. Ok. Ok, là, je suis sur 8. Allez, petit! Bats-toi comme un homme! Le problème, c'est qu'après, au bout d'un moment, il me voit plus, quoi. Eh oh, je suis là! Eh oh! Tu m'as vu, là, non? Non, toujours pas.
vos infos il y a quelque temps. Ah, c'est beau. Mon dieu, juste une grenade. Ah non, j'avais deviné que c'était si simple. Je me serais baigné des moments de fail. Avant de crever, la cavalerie a des questions à te poser. Ton chef, celui qui t'a appelé Barrett. Qui est-ce? Pourquoi la FEMA vous envoie attaquer sa Sarif Industries? FEMA? Tu crois que la FEMA en a quelque chose à foutre? Des petits secrets de ta société de biotech minable? Ah, t'as des ennemis bien pires que ça. Ouais? Comme qui? Qui? Va à Shanghai. Ensha Court Gardens. Dernier étage. Dis-leur. Dis-leur. Oula, 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 oula. Dis-leur que Barrett t'a envoyé en enfer. Jensen, comment ça se passe de ton côté? Ces soldats viennent de filer sans demander leur reste. Ils t'ont vu? Non, j'étais tout feu éteint au cas où ça chaufferait. Tu vas bien? Ça va. Passe-moi Sarif. D'abord, je t'évacue d'ici. Va à la ZA, je te récupère là-bas. Attends, 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 je vais récupérer ce que j'ai jeté, moi, parce que... Ah, mais genre, y a plus rien! Mais non! Mais j'avais jeté des... Je pensais que je pouvais les ramasser après. Munition typhoïne. Oh, ça je prends, c'est jamais. Pistolet mitrailleur. Et en fait, c'est quoi ce que j'ai, là, exactement? Fusil à pompe. Ah! Ah, tu m'étonnes, ça devait faire mal, oui. Ouais, mais non, je préfère prendre le truc mitrailleur quand même. Non, non, non. Non, ouais, non mais Jensen, range-moi ça, s'il te plaît. Sois gentil. En même temps, je me disais, c'est vrai qu'avec roquettes... Oh, mais non, mais je veux prendre plus de roquettes, moi, encore. Jette-moi ça. Et... Voilà, normalement je peux les prendre. Oui. C'est quoi ça? Pack d'énergie. Ah oui. C'est vrai que lui, une de ses grenades, et puis c'est bon, c'était foutu. Hein, j'étais. Il me one-shotait. Donc c'est vrai que c'était pas con. Le fait qu'une grenade, ça le tue aussi. Ah mais je me sens tellement ridicule d'avoir tellement lutté à essayer de lui foutre des balles alors qu'une grenade. Je pensais qu'il y avait une vraie strat et tout. Non. Je vais continuer un petit peu l'épisode. Moi, pour moi, ça fait 40 minutes, mais je pense que je vais vous couper quelques passages où j'aurais fail. Je vous aurais peut-être mis les petits moments drôles, mais voilà. Du coup, on va continuer encore un peu. Et j'ai toujours pas de fléchette. Attends, parce que ça, je voudrais te mettre en deux, en fait. Puis le roquette, on va te garder un peu loin parce que j'ai pas envie de faire un faux mouvement quand même. On va te mettre en 6 et puis du coup... Ah ouais, mais j'ai pas de soin. Bon bah, on mettra le soin plus tard. Parce que le reste, ouais, le reste, j'ai rien. Oh, des munitions. T'es prêt à partir d'ici, Jensen? Oui, je suis prêt. Ouais. Ramène-nous au quartier général. J'espérais que tu dirais ça. Monte et accroche-toi. Bon. J'espère que là il y a un petit moment de calme, que je puisse me recharger tout ça.
Jensen, j'ai besoin de vous parler. Rejoignez-moi tout de suite dans votre bureau. J'aimerais bien, Francis. Mais je dois d'abord faire mon rapport à Sarif. Vous pouvez faire ça. Ou alors vous pouvez écouter ce que j'ai à dire au cas où ça changerait votre rapport. Terminé. Il nous faut tout le monde en alerte. Non seulement les pro-augmentations pourraient s'en prendre à lui, mais les anti aussi. Je veux dire que les pro-humanités... Ok, bon bah on va aller juste aller le voir lui. Ah, c'est au-dessus, c'est ça? Ah, j'ai l'impression qu'il court un chouïa plus vite, non? Ou c'est moi? Ah oui, on m'a dit que dans son bureau, à lui aussi, il y avait... dans son bureau, il y avait une affiche de rôle. Que voulez-vous? Faudrait que j'aille voir. Ça me fait mal de dire ça, mais j'ai besoin de vous. Le signal que vous avez désactivé dans le territoire des FDR, il était actif depuis presque un an. Vous voulez dire que quelqu'un d'extérieur à l'entreprise avait accès à notre réseau bien avant la première attaque? J'ai déjà détecté des intrusions et je les ai neutralisées à chaque fois. Mais celui qui a conçu cet algorithme est bon. Très très bon. Vous l'avez dit à Sarif? C'est ça le problème. Ces intrusions n'ont été possibles que grâce à une backdoor dans notre système de sécurité dont j'ignorais l'existence. Celle dont l'équipe de Sanders s'est servie pour pénétrer dans notre usine. Je travaille ici depuis 7 ans, Jensen. Et c'est la première fois que je vois ce port ouvert. David Sarif l'a créé spécialement pour contourner le pare-feu. Il cache quelque chose. Et je crois que vous devriez tâcher de découvrir quoi. Pourquoi moi? Parce que d'après ce que je peux en juger, Sarif a ouvert cet accès et a commencé à y faire transiter des tonnes de données peu après que votre petit ami lui a suggéré de vous engager. Ok. Ah oui, c'est vrai, apparemment il y avait une note dans le bureau. Oh, prends. Oh, il faut vraiment que j'améliore... Oh, je peux prendre du vin. Il y avait une note sur le bureau ou je sais pas quoi, où il y avait le mot de passe. Mais je le vois pas, mon mot de passe. Oh, je les avais désactivés. Oh non, tu les sous-activés là, ici. Quoique... Ah mais si, ça me dit en plus, le mot de passe, il est là. Oh là là. Mandrake. Ça me dit quelque chose. C'est quoi un mandrake? Alors, problème 1, je ne peux pas vous ennuyer avec cette histoire, mais je crois que j'ai un nouveau suspect pour le vol des noix. J'ai surpris Nancy alors qu'il parcourait ma pile de commandes à Versalife. Il a prétendu devoir vérifier l'adresse officielle sur un contrat... que David voulait qu'il vérifie, mais il a déjà reçu une douzaine de lettres avec cette adresse. De la part d'un avocat qu'on pourrait s'attendre à un meilleur alibi. Le code de sa porte est... au cas où... la précédente antenne... Je suis très heureux de votre redon... je peux vous dire entre... faire... Ok... Oui, c'est vrai, je vais sauvegarder. J'ai pas fait gaffe, mais oui, je vais peut-être sauvegarder. Ça peut être pas mal. Bon, je pense qu'on va aller voir dans son bureau à lui. Qui est, je sais pas où. C'est pas là. Ah, c'est celui-là, je crois, non? Non, c'est pas celui-là. Il y a des conduits à l'intérieur, alors je sais pas pourquoi, ça me dit que je vais... Je vais sûrement devoir m'infiltrer ici, en fait. Je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle Pierre Machin, c'est ça? Mais je crois que c'est... Non, ça devait être en bas, à son bureau. On va aller voir ça. Non, c'est pas là. En fait, je me souviens juste de la tête de son bureau. Je me souviens pas de où c'est. Ah, ça pourrait être là, peut-être. Maintenant. Bah mince, alors c'est où? C'est tout en bas? Ah non, Technologie Lab Franck Pritchard. Ouais, voilà, c'est là. Alors, il y avait une affiche de rôle. Ah, bah ça devait être ça, qui faisait référence à un truc, Final Fantasy. Oula, c'est combien ça? 25, 6, 7, 27e. Ah. Alors peut-être que cette madame fera partie du... un effet de reflet bizarre. Mais juste là. Peut-être que cette madame fera partie du... Oh. Ah, je prends tout, moi. J'ai jamais fait... Il y a une moto dans son bureau normal.
Bon bah d'accord, bah j'ai vu la petite affiche. Après j'ai pas joué beaucoup au Final Fantasy, j'ai joué au 9 et au 12 je crois, je sais plus. Un petit peu. Mais bon. Je suis pas trop fan. Hein. J'aimais bien quand j'étais un peu plus jeune, mais maintenant. Ah, je peux plus rien prendre. Bon. Bon bah en tout cas je pense qu'on va s'arrêter pour cet épisode. Hein. J'espère qu'il sera pas trop court ou pas trop long sur ce que j'aurais coupé. Et puis bon bah je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à plus dans le prochain.